chèvre. Ah non, c'est pas moi, c'est les conducteurs. Moi, je peux tenir toute la journée sans problème. Mais les gars, ouais, ils veulent faire une pause pipi. Une pause vidange, si vous voulez. Ben, le but, c'est de faire réagir le gouvernement. Et c'est bien réussi. Ah bah ce serait le rêve, mais on peut pas. Oui. Bah j'étais à Épône, il n'y a pas longtemps. Dans 78, à 13, sortie 10, il y a un rond-point dans une zone industrielle. Vous avez un petit village gilet jaune, très sympa. Donc en fait, on est parti de Porte-Maillot et la destination finale, c'est Porte-Maillot. On bloque tout le périph' jusqu'à 21h. Voilà, le frérot, il est là. Ah, il a fait de l'autre côté. Ouais, non, ça s'arrête pour le petit bonheur, c'est très utile. Ouais. Alors, j'ai un problème, j'ai un de mes lives qui s'est arrêté. Problème de batterie. Ouais, il y en a qui me regardent bizarre, on a droit à tout. On a le droit à un connard. Ouais. Et la meilleure chose à faire, c'est de mettre une. Ouais. Non. C'est les mêmes en plus qui viendront se poter les mains sur notre cercle de photos. Ils vont vraiment changer les choses. Exactement. Alors même qui diront, ouais, moi j'ai vécu cette époque où on a tout changé. Mais vous inquiétez pas, personne n'a besoin de juger ces gens-là. L'histoire le fera pour nous. Une histoire qui les jugera. Qui nous jugera. Demain, une manif pour... Eh ben, on va continuer. On dirait, il est par terre, le gars, ou quoi? Attends, attends, j'ai un peu de chien. Regarde, regarde, si tu fais ça, si tu fais ça, hey. Mais tu peux, hein. Ça marche, hein. Tu peux avec la ventouse et tu le mets... parce qu'on le fait avec les GoPro. Non, attention, imagine, bon, tout qui passe. C'est un peu compliqué, tu vois. On sera à bas fond de côté. Tu le peux, il y en a qui le font, hein. Ouais. Moi, j'ai l'équipement pour fixer, là. Ah ouais? Ouais. Mais imagine, il y a une moto qui passe à côté. Ah bah après, ça dépend où tu la fixes, hein. Ouais, c'est ça, en fait. Tu peux la fixer ici, genre. Ouais, tu comme peux ça, la fixer ouais, partout. Ouais, ouais, c'est bien. Ça. Je te montrerai. Ouais, comme ça, j'achète une. Je vais tester déjà. Regardez, ah. Aucune solution voilà, pour regardez, eux. Regardez, regardez, voilà la galère. La galère. Voilà, c'est voilà Macron. On a les moyens de se financer voilà, les Jeux Olympiques, mais on n'a pas les moyens de les aider. Chapelle, voilà. De la chapelle. Voilà. Regardez les gens. Donc moi, je dis clairement, moi, je suis contre les JO. Regardez. Si on trouve pas de solution, c'est la réalité. C'est la réalité. On est là, on passe, on est dans la street. Hein. C'est pas. Regardez ce qui se passe. Voilà. On se verra demain. Ouais, inchallah. Moi j'ai passé il y a deux jours, deux nuits dehors, je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir. Il dort. Sous la neige, sous le froid, sous le vent, c'est pas du tout. Il fait moins. Voilà. Ouais, voilà. Voilà, il y a des rats, il y a des rats, il y a tout, ils peuvent avoir des maladies. Et Macron il est où? Il est dans. Macron il est chez lui. Macron il rigole de. Moi je comprends pas comment il rigole. Quand il parle avec lui, hier ils ont dit, on parlait, ils ont dit il y a des SDF, tout ça. Il fait que rigoler, frère. Ouais. Je sais pas, il s'en fout en fait. C'est trop bizarre.
Maxime, il a coupé son péri, d'accord. Mais t'as coupé ton péri? Ouais, en fait, j'ai ma batterie qui a lâché. Ouais. En fait, ça s'est décollé, donc je vais le relancer. D'accord, voilà, il va relancer Maxime. Du coup, que j'ai compris où on allait. Ah oui, là, on est à côté de Porte de la Chapelle. Ouais. Il y a... L'argent, il est pouvoir, fidèle, prévision, garantie. Ah, d'accord. Macron, il s'en fout, il pense qu'à sa gueule, mais ouais, t'inquiète, ouais, ne vous inquiétez pas, on l'aura au tournant. Et celui qui brandit l'épée périra par l'épée, ça c'est qu'une question de temps. Oui, et ça on le dit pas, il faut savoir que parmi les SDF, il y en a beaucoup qui sont salariés, et que ouais. Ça peut arriver à n'importe qui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc ça veut dire des gens comme vous, comme moi, on peut se retrouver à la rue à n'importe quel moment. Voilà. Ouais, c'est ça. En plus, je crois que c'est une bonne idée. Si on paye nous, parce qu'il y a un moment, si tu prends direct, tu te dis que t'as plus envie de travailler. Déjà, non, mais je suis d'accord. Amar pousse ta tête. Regarde, il est trop fort. Avant de retomber sur ses pattes, sache que beaucoup de gens que je vois SDF, c'est des fous. Peut-être c'est à cause de ça aussi. Ils ont dans leur tête, ils ont plus de tête. Quand tu sais vivre avec 1000 euros par mois, tu sais vivre avec 1500, avec 2000. Ouais. Mais quand tu sais vivre avec 4000, va vivre avec 1000 toi du jour au lendemain. Non, mais... Je peux te garantir que tu n'y arrives pas. Hein. Ils sont forts les Condés hein, pour nous faire évacuer. Et non mais ça, ils sont forts. Bah regarde, ils nous proposent de faire. Ah, ça suit derrière. Ça suit pas le cortège ici. Oui, allô? Oui, bonjour. Après, il faut oui, ça va, je suis sur le périph. Sur le périph. Salut à Marc, comment vas-tu? Ah non, je prends la voie de gauche. Non, là je suis avec les VTC, blocage en cours, voilà. Mais tout va bien. Je serai bien là. Ah oui, je... Non, vous inquiétez pas. Ouais. Oui, tu veux repasser devant du coup, Oui, ça va. Je vous en prie. Allez, bonne soirée, au revoir. Ah, on fait une pause et on remonte en fait, dessus après. On fait une pause. On fait une pause et Ouais. Ah. Voilà, une qui nous a rejoint. Non, elle est là. Non mais il nous propose de faire une petite pause et puis. On est tous pareils. C'est ça. Est-ce qu'il veut passer devant du coup, C'était mon employeur qui me demandait si j'étais là, bien là dimanche. Ouais. Ah. Allez devant, je vais les laisser passer. C'est Jean-Claude. Wow.
Ouais, comme ça, je te laisse suivre les flics, je me mets derrière toi. À quel endroit on est vers la porte de la chaîne? Ouais. Donc en gros, demain, faut pas que je me fasse arrêter. Pourquoi? Parce que mon empereur vient de m'appeler. Ah bon? Oui, pour la nuit de dimanche soir, faut que je sois là. Tu seras dimanche soir? Oui. Impeccable. Bon, bah, tu vas rien faire qui nécessite que tu fasses arrêter, mais bon, la fois où on s'est arrêté, on n'avait rien fait. Absolument. C'est ça en fait. Absolument rien. C'est comme le jour des. Ah, oui, arbitraire. Ouais, ouais. Arbitraire. En fait, ils nous fouillent, en plus, ils nous fouillent comme des. Jours, ah mais enfin, moi je n'oublierai pas, j'ai dû me déshabiller devant des yeux. Ouais, qui souhaite discuter si avec non, qui non, il souhaite non, tu parles Macron. On va sortir des voitures. Ce n'est pas lui à la voiture à moi. Je ne suis pas demandé, je connais pas. Par contre, du coup, après la pause, vous avez, on en profitera ouais. Peut-être pour vous changer de véhicule. Ouais. Comme ça, moi, après, je pourrais. Je sais. C'est vrai qu'à toi, tu vas partir. À 5h30, il faut que je commence à m'extraire et à rentrer. J'en profite pour ceux qui sont en direct. Ceux qui ne sont pas encore allés voir à des ronds-points, je vous encourage vivement à aller rendre visite à des gilets jaunes qui occupent des ronds-points. Parler aux gens, ouais, sur les. Ouais, leur parler, sur rapporter les barrages, quelque chose. Les filtrages, les ronds-points. Et puis je trouve que c'est intéressant de. Restez pas sur la télé. De faire des crêpes, ou voire même faire une pizza sur un rond-point, ce serait pas mal. Si je, non, j'ai pas encore été payé. Putain, vivement que j'ai la paye. La police. Ah, ce serait marrant, ouais. Les gens, ils voient que la police en fait un barrage et ils passent. C'est là qu'on s'arrête? Non. Sur un rond-point, où exactement, je ne sais pas te le dire. Alors qu'est-ce qu'on fait, Jean-Claude? On va vous faire pisser ici. Alors si on s'arrête là. Il y a plein de trucs ici. On est à Rosa Park ici. On laisse les voitures. Rosa Park c'est là. Rosa Park c'est juste à côté. Ouais, mais on met où les voitures? Ah ouais. On reste là, c'est bien, on prend deux films. Ouais, il y a du monde. On laisse les voitures là? La voiture là, ça me semble pas bien. Attends, attends, je vais avancer. Ouais, toujours en direct, toujours là. Je reste là ou pas? Petite pause, petite pause. On va voir, on va faire pause pipi, après on décolle. Ouais, mais est-ce que je reste sur cette ville là? Reste comme ça. La station de Bernier. D'accord. Et après, on va à Porte de la Villette. On bloque tout. Et après, c'est deux voies. Oui. Ah, on bloque complètement? C'est deux voies, ça.
Allez, deux je vais deux voix. On fait un pissou. C'est énorme. Après, direction Cyril Hanouna. Ah, après direction Cyril Hanouna. Ah, mais tous ensemble. J'espère qu'on ira tous ensemble. Ah, bah, viens. Hein. On peut sortir là ouais, on peut sortir. Donc mes chers amis, c'est la source donc qui n'en voit plus. Je suis là. Je vais voir si on arrive à avoir de nouveau le signal ou pas. Donc il capte pas, à mon avis. Ou alors, ils ont atteint les 4 heures de diffusion Facebook. Je vais vérifier. Je crois qu'ils ne le captent plus. Alors, je vais voir ça un instant. Un instant, je suis là, mes chers amis. Voilà, j'ai le signal, mes chers amis, ne bougez pas. Ne bougez pas. Voilà, je vais vous mettre ça donc à l'écran. Quand on est con, ben on reste. Voilà, on reste con. Alors on se bat pour eux, et au bout du compte, ils te suivent. Putain, mais ils sont vraiment teubés. Non, on va tout partir dans quelques minutes. Il y a plus de forces de l'ordre que de véhicules, j'ai mangé. Des gens aisés. Ou alors c'est des gens aisés, vu qu'ils sont parisiens. Tu sais, les parisiens, c'est aisés. Les gars, ils sont fous. Du coup, le genou. Si on peut en reparler tout, c'est juste le temps. Je suis fâché avec elle, je suis fâché avec moi. Elles veulent plus me parler. Ouais, mais tu me mets comme t'en fous, c'est con. Je peux vivre sans elle. Voilà, mais c'est des ratas. Oh putain, ça fait la deuxième fois que j'en ai marre. Mais c'est quoi, mais tu me mets où? Attends, c'est parce que ma poche elle bouge. Et... Je peux pas beaucoup me baisser, je suis attrapée par le fil. Merci. Excusez-moi. Hop, bah, du coup, voilà, c'est bon. Bah en fait là ils veulent. Une petite pause pipi 10 minutes. Mais c'est pas ici, oui, mais on peut pas ici. C'est pas ici. Ouais, c'est pour c'est ça que je dis. C'est très malin de leur part. Là, je comprends pas pourquoi on est là. Bah non, parce que là on bloque tout là. J'ai rentré tout ça dans la voiture. Il y a une bonne autonomie. Alors, ouais. Putain, j'ai cassé le socle. Alors, juste le temps de que je fasse deux, trois petits trucs. Hop. Faudrait défiler en voiture.
n'arrive pas à aller sur le lien. Non, est-ce que... Ouais, en ce moment, je préfère me mettre derrière. Il est là, le frérot, en direct. Là, il y a deux, là. Il est où, le troisième? Il n'y a plus de Péri? Ah, tu es en train de charger. Mais Péri, je ferai plus tard. Ah, il y a RLC ou... Donc voilà, regardez, voilà, il y a deux gilets jaunes qui nous rejoignent, voilà. Donc au cœur d'action. Et après on va au BFM hein. Tu ah ouais, ouais. Bah, je BFM même. Moi je vais pas citer à l'émission. On enchaîne direct. Voilà, on va enchaîner direct. Parce que tu t'expliques, j'ai déjà fait tout ce qu'on pense, j'avais bien Cyril avant. J'ai assisté dans l'émission, t'as pas le droit de téléphone, t'as rien. Tu vois, quand t'es dans l'émission de Cyril Hanouna, t'as pas le à la télé, t'as pas le droit de ni téléphone ni rien. Dehors, oui, dehors, on peut rester à côté parce que je sais que ça va être. On reste là-bas. Parce que ouais. Ouais. On va là-bas. Déjà après on sera sur deux voies, ça va être énorme. Ça faut que tu filmes quand on va être sur deux voies, ça va être énorme. Ouais. Oh, le blocage. Et pourquoi? Franck, c'est bon? T'as pu y aller? T'as pu faire tes trucs? Il y a un arbre. C'est bon, c'est fait. Non, c'est pas toi qui vas aller manger. Maintenant que le vaisseau est vide, vas-y, refuse juste là. Dans mon sac, j'ai des. Non, mais t'inquiète, on verra ça après. D'accord. Sinon, j'ai des. Comment ça s'appelle? Des personnes, j'ai des gens qui sont. Dans trois quarts d'heure, moi. Des gens qui sont connus. Des gens qui sont connus. Je veux dire, à l'école, papa, il bloque pas. Donc, ça a l'air. Plus personne qui a. Alors c'est en fait c'est une petite pause et après on reprend. Ouais ça doit être ça. Bah oui c'était pas déclaré. Donc voilà la famille est là. Ah. Tu as trouvé où? Par terre. Je cherche depuis tout à l'heure à qui elle appartient. Elle était derrière ma voiture. Entre la voiture de police et... J'ai fait que tomber mon matériel. J'ai même cassé ma perche. En mince. Bon, ça va, je peux la réparer. C'est juste un... une fixation à changer. Donc là, c'est une petite pause, tout ça. Voilà. Défiler en voiture les gens. En tout cas, ça fait du bien à manger parce que j'ai plus de genoux, je peux pas. Là, je me mets à la rue des preuves. Ouais, t'as pas une information. Non. Ah, bah non. J'ai pas les moyens de la changer. Hein. Il faut que je la fasse équiper pour le fauteuil roulant et pour une automatique. Alors, merci. Ça coûte cher tout ça. La voiture, elle a 6 ans. Je peux pas m'amuser à. Ouais, les 4000 euros de prime, je les ai pas. Hein. Ça me suffit pas. Non, il faut quand même savoir qu'une voiture équipée, ça coûte très cher. Ouais. Et en plus, elle est valable que 10 ans. Si on change de voiture entre temps, ouais, bah, on est foutu. Voilà. On paye la deuxième. Ouais. Alors, tu es en direct sur cette chaîne au moins. Pardon, madame. Moi, je vous en prie. J'ai trouvé à qui était la housse. Je suis contente. Ah tu vas... Attends bah tiens. On coiffe les voitures. Ouais vas-y. On commence par... Chers amis, je vérifie encore, ça capte mal le signal. Je suis là, je vérifie encore.
je vais retrouver donc un autre signal. Je vais retrouver un autre signal, mes chers amis. Restez là. Le signal n'arrête pas. Voilà, n'arrête pas de bouger. C'est incroyable. Mais ça, l'écran, mes chers amis. Après, il y a des commerces de ce côté-là. Ouais, il y a un break. Ouais, ouais, t'inquiète. Ah, donc tu m'as dit, il y en a une qui part de Vincennes et l'autre elle part d'Invalide, c'est ça? Non, l'autre à part, oui, à côté des Invalides. Je vous fais un petit panorama. Alors, en fait, on nous a demandé une pause. On a fait une petite pause, on s'en occupe pour faire une petite question. Un peu d'ail, un peu d'oignon, un peu de. Voilà, pourquoi. On est porté d'arrivée encore pour 5 minutes, je pense. On va pas tarder à décoller. On est parti en voiture. Bon allez, on se remet en voiture. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. En voiture, Simone. Hey, chargeur, allez. On va ramener le chargeur. Ouais. Demande à qui a de la place. Bon, après, je me. Après, s'il y a quelqu'un qui veut que je le dépose à Massy, il peut monter. Ah ouais. Massy, pas les autres. Ah ouais, je la prends. Je la redonnerai après. Voilà. T'as pris tout ce que t'as. Merci, hein, quand même. Tout est réglé. Tout est propre. Il y a quelqu'un qui veut que je l'emmène dans ma scie. Ah, c'est pas mal, ça, là. Voilà, pour les gens en direct, peut-être qu'il y aura 50 personnes là. Il y aura 50 places. Ah, non, mais t'inquiète. J'en ai 2000 dans mon train, mais pas dans ma voiture. Ah. Certains clients. Rendez-vous demain. À demain. Et ouais, frère. Les gars demain, ils sont là, ils ont dit. Du coup demain c'est déclaré ou pas? Ouais, demain. Alors, il y a beaucoup de gens, ils ont dit. Je vous explique. Vas-y. Voilà, je vous explique. On refusait de signer parce que justement, comment il s'appelle, Griveaux, il nous a insultés, il nous a traités d'extrême droite et il a attaqué directement. Les meneurs, pas les meneurs, je vais dire des bêtises, ceux-là, les moteurs un peu de ceux qui ont créé le mouvement, et il les a insultés. Et en plus, on a mis un service d'ordre pour déclarer. Dimitri. Et du coup, il nous a aussi insultés d'extrême droite, comme quoi qu'il y ait des gens, voilà. C'est que des volontaires qui se sont occupés de la manifestation et qui l'ont encadré. C'est pas une milice, on n'a pas embauché des gens, et toi t'en faisais partie et d'autres en faisaient partie. Donc voilà. Donc on a dit, comme c'est comme ça, le 26, il est hors de question qu'on déclare la manifestation. Ou alors vous avez des excuses. Et en plus, toutes les arrivées des manifestations, c'est un cordon de CRS avec une NAS qui nous attend. On a dit, il n'y a pas une manifestation autorisée en France à l'arrivée où ça se déroule comme ça. Donc vous nous enlevez les deux. Et tant qu'on ne le fait pas, on ne déclarera pas. Vous avez jusqu'à mercredi. Ils n'ont pas répondu. On a dit, on ne déclare pas. Là, ils nous ont appelés. Ils m'ont appelé aujourd'hui pour me dire que du coup, ils acceptaient d'autoriser. Je leur ai dit, je vous préviens, on n'a pas de service d'ordre du coup. Parce que vous nous avez prévenu trop tard. Du coup, ils autorisent. Et on signera pas. Et on veut les accords. Et du coup, ils nous donnent cours de Vincennes, Bastille, c'est autorisé demain. Et devant le ministère de l'Outre-mer, de l'Outre-mer, donc des dom-toms. C'est l'itinéraire que Priscilla a réglé. Voilà, Priscilla qui va changer légèrement. D'accord. Pour éviter certaines institutions, ouais. Et qui va jusqu'à rue ou place Facebook. D'accord. Donc les deux vont être autorisés. Voilà. Allez. Donc ça veut dire on est tranquille et on n'ira pas en garde à vue. C'est bien. C'est parti. C'est bon. En avant, va en bite à cul.
non-stop gilets jaunes. Je vais essayer. Faut faire une émission sur gilets jaunes. Non, vous êtes sérieux, on a pas les monde devant. Je note. Non, je rigole, j'allais monter devant. Allez, on y va. Ouais, ils ont monté les deux derrière, tranquille et tout. Non, j'ai fait exprès. Monte devant, mon frère, monte. C'est pas une voiture 100% algérienne, celle-là. Ah, l'Algérie. Allez, c'est parti. On est quelques rues. C'est parti. Ouah, Férouz. Hey, Maxime, voilà ça, elle est lourde. Ouah, il y a quoi là-dedans? Ah, et là, il n'y a pas encore mon équipement médical. Hein. Mais comment t'arrives à faire une manifestation toute la journée? Ah, bah. Il était malade, il a mis un cadavre dans son sac. C'est normal, moi, je peux pas, frère. Il a mis un cadavre dans son sac. Voilà, c'est reparti. Putain, la vie de ma mère, tu sais quoi, je vais lancer une quête pour qu'ils me mettent le plein de gasoil, j'en peux plus moi. Voilà, je vais faire comment? J'ai plus de gazoil. Moi j'ai plus de gazoil à chaque fois. Tant de bouger dans les AG et tout ça. Ça consomme là, ça. Grave, j'ai plus de gasoil, je vais faire comment moi? Moi je vais faire comment? Mon frère, ils font des quêtes à 80 000 euros, des quêtes à 100 000 euros, à 150 000 euros. Ils faites une quête pour Kamel. Je suis dans la merde, moi aussi. La vie de ma mère, je suis au bout de ma vie. J'avoue que financièrement, c'est un coup. Hein. T'es malade, je touche plus de chômage, je touche plus rien. Mm-hmm. Ma femme, elle travaille, j'ai le droit à rien du tout. Mm-hmm. Depuis que je suis passé à la télé, je peux plus travailler. Ils m'ont niqué ma vie, moi. Pourquoi j'ai suivi les gilets jaunes? Vous m'ont niqué ma life, vous m'avez niqué ma vie, je vous ai suivi, voilà, j'ai plus de travail, j'ai plus rien. Je vais faire comment moi? Je vais braquer une vieille. Allez, on retourne dans le péril. J'ai la haine. Hey, vous avez de la chance, hein, j'ai rangé mon sifflet. Oui. Alors, pour la manif la nuit avec Eric, ouais, je pense que je vais la faire. Par contre, je vais faire très attention. C'est à partir de demain, la nocturne. Ouais, 17h. Oui, Fifi. Là. Il y a combien de personnes là? Pas grand chose. Là, ils sont. Attends, j'arrive pas à lire. Ils sont 500. Bon, je regarde d'abord c'est qui. Attends, deux secondes. Ouais, Sam. Malik, comment ça va ou quoi, frère? Regardez les gens où ils dorment, regardez leur fou. Ouais, ça va. En train de manier. Regardez les gens où ils dorment, dans quoi? Voilà ce où ils dorment, les gens. La chance qu'on a passé ici, tu vois, en direct. La chance qu'on est passé ici parce que je voulais bien faire une direct sur pour parler. Mais la chance, on est dans une manif. Hein. Et voilà, regardez les gens où ils dorment. Voilà, Macron il est où? Macron il est chez lui. Il mange, il rigole hier, il parle des SDF. Il y a quelqu'un qui a parlé des SDF. Voilà. Donc voilà, encore, ouais, ça finit à 21h, donc voilà. Alors. C'est malheureux, bah oui c'est malheureux, Macron a menti, bah oui. Si j'ai raté des réponses, des questions, désolé. Non, il faut tout bloquer parce que par les périphes, tout le monde passe, tout le monde, les riches, les pauvres, les moyens, même des présidents, ils peuvent passer par les périphes. Donc voilà, les périphes c'est le plus important, c'est pour les VTC après, voilà. Voilà, je vous montre, voilà, j'ai déjà vu des gens, regardez, il y a beaucoup de gens qui dorment ici. Ici il y a des rats, je connais, il y a trop de rats. Un jour j'étais à 2h du matin, ici je suis rentré dans une soirée, je prends une bus de nuit, il y a trop de rats ici le soir. J'ai peur des rats moi, parce qu'ils sont dangereux les rats. De ma part, si tu ne mobilises pas, on va tous finir comme ça. Ouais. Regarde là. Regarde là, attends. Hey. Là, même me filme. Frérot, est-ce que tu cibles là? Attends. Salut Amar, ça va? Vous avez entendu, si vous manifestez pas, voilà notre avenir, ce qui nous réserve. Regardez où ils dorment les gens, regardez. Voilà si on manifeste pas. Voilà, regardez. Les gens, ils viennent ici pour travailler. Regardez devant, à votre gauche. On va tous finir comme ça. Voilà les gens, ils dorment. Regardez la famille. Regardez où les gens, ils dorment. Voilà Macron. Voilà Macron, il a dit, je vous ai compris, mais je sais pas qui là. Voilà où ils dorment, les gens. Où il y a des rats, les soirées, ici, c'est un truc de fou. Et puis, tu peux avoir des maladies. On est une nation, regardez comment les gens vivent.
Ouais, je vais faire, mais là on passe à côté comme par hasard, on fait des, c'est des directs. Voilà l'avenir des citoyens. Voilà la famille. Voilà, voilà ce qui nous. Il y a des miskins, frérot, bah oui, ça sera regardé. Voilà notre avenir, les gars. Voilà. Regardez la réalité des choses. C'est ça notre avenir. C'est graphiste, regardez, il y a plein. Hein. Il n'y a pas que un ou deux. Hein. Il y a un minimum beaucoup, regardez. C'est pas fini. Hein. Regardez, regardez, regardez. C'est pas fini. Les gars, voilà, les voitures passent tous les jours. Regardez, regardez, regardez. C'est abusé. Voilà, ça c'est à Paris. Voilà ça. Ça c'est juste à Paris et c'est pas tout Paris ça. C'est pas tout Paris. Là. Exactement. Ils ont peur qu'on va. Ils ont, ils ont peur qu'on en prenne. Voilà les blocs, regardez derrière, c'est bloqué là déjà, on attend les autres. Ouais, ils dorment dehors, il y a beaucoup les gens, vous avez vu? Pour les gens qui ne connaissent pas Paris, voilà! Voilà côté de Paris, voilà côté de Paris ce qui se passe, voilà une côté de Paris. Il n'y a pas que le 15e arrondissement, il n'y a pas qu'une côté de Paris, touriste. Voilà la côté où il y a beaucoup de gens qui dorment dehors, qui ne demandent pas de dormir dehors, ils demandent de travailler. Ils demandent de travailler, pas ils demandent de pas travailler, tu vois. Donc voilà. Un autre son, enfin tiens.
Ça, ça nous parle, ça. Et go. Toutes les paroles. Comme quoi, dans les cités, on était en avance déjà. Hein, sur les gilets jaunes. Hein. Par craquer. Les gens finissent par craquer. Les murs finissent par craquer. Ils veulent nous pousser dans l'impasse. Les bâtards veulent me pousser dans l'impasse. L'étoile rouge devant ma face, c'est un diplôme d'honneur pour elle. Rien pour moi, mon honneur s'efface peu à peu. Chez nous, les cœurs se glacent très tôt. La peur se tasse. Pour rien, les frères se frappent. Voilà, mes chers amis, j'ai coupé parce que, à mon avis, je vais me faire trucider par les droits d'auteur sur cette vidéo, ce qui serait dommage. Donc voilà, c'est vous avez suivi avec moi. Donc à ce qui paraît, et c'est une très très bonne nouvelle, l'acte 11 sera massivement suivi. Je vous donnerai des petites infos tout à l'heure, mais sachez d'ores et déjà que donc Lille, ce sera samedi dès 13h30, place de la République, rendez-vous est donné. Je vous donnerai les infos tout à l'heure. Lyon, ça sera dès 14h, place Bellecour. Marseille, 13h sur le Vieux-Port. Ensuite, eh bien, Caen, Rouen et Évreux vont encore donc Caen, Rouen, tout le monde va se rejoindre à Évreux. En plus de déjà Caen et Rouen, donc à Évreux, il y aura des gilets jaunes de Caen et de Rouen qui rejoindront Évreux. Pour grossir les rangs. Et en plus de ça, donc la mobilisation prévue dans le centre de Rouen pour ce samedi, eh bien, elle pourrait se poursuivre aussi durant la nuit. Les gilets jaunes de Eure-et-Loire ont prévu de se rassembler à Chartres. Demain, dès 11h pour le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer. Besançon, dans le Doubs. Donc, on va aller regarder. Il y a une manif en cours. Et donc là, ce que nous sommes en train de regarder, il prévoit, je vais vérifier le signal, donc il prévoit de bloquer le périph. Donc il y a du monde qui manifeste à... Je vais vous envoyer le signal de Besançon. Il y a du monde qui manifeste. Je vous prépare ça à Besançon. Besançon. Voyons voir ça. Hop. Donc restez là, mes chers amis, il y a du monde qui manifeste à Besançon. Je vous prépare ça. Alors voilà, c'est bon. Regardons ça. Là, c'est Besançon en direct. Appareil et faites des panoramiques.
mieux à diffuser. Voilà, je vous mets ça. L'image est belle parce que les personnes qui filment ont pensé à mettre du panoramique. Hop. Donc là nous sommes à Besançon. Actuellement. Donc, il fallait venir une fois dans le moment. Je vais redemander à ma mère. Je vérifie le signal, mes chers amis. Alors, c'est... Je vais vérifier ça. Alors l'appel du 25. On va donc ça c'était pour Besançon. Et donc là c'était pour Paris. Il y a eu un clash tout à l'heure donc entre Ingrid Levasseur et une gilet jaune qui dit qui lui dit qu'elle enlève son gilet jaune. C'était lors du débat hier. On va regarder ça. Voilà, je vous mets ce clash si vous l'avez raté. Regardez. Je voterai pas pour elle. Pourquoi ? Je lui dis carrément, faut qu'elle enlève son gilet jaune. Mais je l'ai pas là. Elle a créé un parti politique, elle a pu, c'est fini, n'en parle plus. Pourquoi vous dites ça ? Bah parce que elle a créé un parti politique. Elle le sait, de toute façon, c'est comme ça. C'était pas le moment de créer un parti politique. C'était pas maintenant. C'était de faire le buzz. Bah vous avez gagné, vous avez fait le buzz. Vous avez rencontré Madame la ministre. Mais vous aussi bientôt dans le Pas-de-Calais. Ah oui, mais moi, alors attendez. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le cacher à tous les gilets jaunes du secteur, comme ça s'est fait avec vous. Pourquoi vous avez pas osé en parler ? Pourquoi vous n'avez pas dit aux gens qui vous suivent, je vais rencontrer le ministre ? Qu'est-ce qu'il y avait de mal à ça ? Pourquoi vous avez encore fait ça dans le dos des gens ? Vous êtes une vraie femme politisée. Puis c'est tout, vous pouvez enlever votre gilet. C'est mort. De toute façon, vous...
aux européennes, tout le monde aura sa carte. C'est pas très bien vu. Il y aura peut-être un parti politique, alors, peut-être un jour. C'est merveilleux parce qu'on est en train de faire de la politique. On fait comme ce que je venais de dire juste avant. Entre politiciens, on se tire dans les pattes, même dans son propre camp. Donc voilà. Premièrement, j'ai rencontré Madame Schiappa dans une rencontre au début du mouvement qui me semblait importante parce que moi, je suis toujours dans la communication et non pas dans l'inverse. Ah, moi, je suis toujours dans la communication. Deuxièmement, madame, je n'ai pas créé de parti en mon nom. J'ai été élue tête de liste. Vous avez même eu le culot d'appeler votre parti le RIC. Vous avez un directeur de campagne qui n'a pas su aller chercher un oncle le RIC. C'est merveilleux, le RIC. Ça va coûter combien de milliards pour sortir une connerie pareille? Non, mais madame, je suis désolée pour vous, mais on est en train de faire... Je suis désolée, il faut avoir un petit peu d'intelligence. Mais vous créez un parti politique, vous prenez le RIC. Mais qu'est-ce que vous allez comme proposer, madame parti politique. Qu'est-ce que vous allez proposer pour la suite? Nous, on va proposer par la suite. Et on attend. Eh bien, allez-y, voilà. Proposer. On vous laisse venir, vous, là, tous les gens là, qui essayaient d'avoir une couverture. C'est là qu'on voit... Attends, on va vous arrêter là. On voit que les gilets jaunes, c'est vraiment... C'est une pluralité que tout le monde ne dit pas la même chose. Alors... Je viens d'apercevoir donc que Facebook a bloqué ma vidéo, du coup j'arrête et je reprends pour réenclencher sur Facebook.